Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Mais je ne perds jamais. À un moment de ta vie, tu vas tomber. Tu vas faire face à l'échec. Tu auras l'impression d'être un minable, plus bas de terre, un loser, un moins que rien. Tu vas te détester toi-même. Mais quand tu tomberas, je veux que tu te souviennes de ceci. Des rois sont tombés avant toi. Des champions sont tombés avant toi. Des légendes sont tombées avant toi. C'est pas parce que tu tombes que tu perds. Tu perds quand t'as décidé d'abandonner le combat. Tu perds quand tu décides de fuir. Tu perds quand tu ne crois plus en tes rêves. Tu perds quand tu crois que t'es trop petit pour faire des grandes choses. Mais crois-moi, personne n'est trop petit pour faire des grandes choses. Et personne n'est trop grand pour faire des petites choses. Chaque échec, chaque expérience d'échec, c'est un pas de plus vers le succès. Pourquoi ceux qui réussissent n'abandonnent pas après le premier échec? Pourquoi ils n'abandonnent pas après 10 échecs? Pourquoi pas après 100? 1000? Même 1 million d'échecs? Ils sont toujours là. Et tu sais pourquoi ils n'abandonnent pas? Parce qu'ils veulent voir leur rêve devenir réalité. Parce qu'ils sont là après chaque échec, ils font leur comeback, ils reviennent. Parce qu'ils ont un rêve et ils veulent voir ce rêve devenir réalité. L'échec, ce n'est pas une option. L'échec, c'est une expérience. Lorsque tu tombes, tu te relèves. Tu es un loup. Tu n'abandonnes pas. Tu reviens. On te fait tomber, tu te relèves. Et tu repars à la charge. Tu repars pour atteindre ton rêve. Laisse-moi te poser une question. Pourquoi, lorsque tu tombes, tu restes sur le sol? Est-ce que c'est parce que tu ne crois plus en tes rêves? Ou qu'on t'a dit que t'étais trop ambitieux, que t'avais pas les épaules assez larges, tu rêvais trop grand? Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu crois à ça? Moi j'y crois pas. Alors debout, lève-toi. Relève-toi maintenant. Mais je vais te confirmer une chose, c'est que tes rêves, ils sont trop grands. Tes rêves, ils dépassent entendement. Tu sais pourquoi? Parce que les rêves, ils sont faits pour dépasser la réalité de cette vie. Tes rêves, ils sont faits pour que tu sois plus grand, pour que tu sois meilleur, pour que tu sois meilleur que tu ne l'étais hier. C'est pour ça qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas rêver plus grand que tu ne l'es. Tes rêves, ce sont des étoiles. Tu dois avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. C'est comme ça que tu deviendras quelqu'un de grand. Les gens diront que t'es un fou. Ils ne comprendront pas pourquoi t'es un obstiné. Pourquoi, malgré tous tes échecs, tu reviens à la charge? Ils ne comprendront pas parce que toi, quand tu regardes en haut, eux, ils regardent en bas! Chaque fois que tu tombes, c'est une occasion pour toi de te relever, de gagner en force, de gagner en expérience. C'est une occasion pour toi d'être meilleur, de te développer. Ne lâche pas l'affaire. Vas-y, relève-toi. Ce qui ne te tue pas, te rend plus fort. Change ta perspective.
change ton état d'esprit. Tu tombes pas pour tomber plus bas. Tu tombes pour te relever plus haut. C'est ça le processus. C'est le changement. Regarde ta situation d'une nouvelle manière. Tu ne perds pas. Tu gagnes. Tu gagnes. Et certes, tu vas tomber. Tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps quand tu seras au sol. Tu n'y croiras plus. Tu diras que c'est fini pour toi. Mais non. Pour tes rêves, pour ceux qui t'aiment, tu te relèveras. Pour eux, tu te relèveras. L'obstacle, c'est une opportunité. L'échec, c'est une opportunité. Et pense-y. Pense-y. Pense-y, parce qu'en ce moment, il y a quelqu'un qui est coincé dans un lit d'hôpital et qui prie juste pour avoir la même opportunité que tu as. Alors prends chaque opportunité comme si c'était la dernière. Parce que l'opportunité que tu as là maintenant devant toi, peut-être que demain, elle sera plus là. C'est la seule occasion que tu as. Et dis-toi bien que tu ne perds jamais. Soit tu gagnes, soit tu progresses. Mais tu ne perds jamais.